Pas trop mal ça. Par contre, les frérots. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas le droit à une. Ah non, c'est parce que vraiment, si je suis dans la. Mais c'est ouf ça! Pourquoi ils ont pas le droit? Sais pas pourquoi, eux ils ont pas le droit à leur trousse de soins. Pourquoi? T'en sais rien. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, ça l'est, mais c'est pas. Non, ça c'est les salariés que j'ai. Ok. Félicitations, vous êtes graphiste. Allez. Félicitations, vous êtes ingénieur son. Allez, les toilettes, hein, toujours pas fait, hein, c'est. C'est pas la priorité. Ah si, ça l'est, mais bon. Bon, on a, en tout cas, Doomlight 2 est prêt à être sorti, c'est pas trop un problème, mais on va faire les, on va faire quand même les toilettes rapidement. Non, c'est pas ce que je voulais. Eh oh, allez. Les toilettes. On va faire cela. Ok. Alors, si je dis pas de. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je pensais qu'ils étaient plus grandes que ça. Du coup, il va falloir, du coup, je peux, va falloir que je réduise un petit peu. Falloir que je réduise un petit peu la salle. J'ai un doute, mais. Eh zut! Mais non, c'est pas. La salle de repos, va falloir que je la fasse aussi. Les toilettes. Je vérifie juste rapidement le chauffage, mais normalement deux. Ouais, ça suffit. Bon. Ben voilà, ils ont des toilettes. Il y aurait la salle de repos aussi à faire. Let's go.
Allez, un petit jeu de fléchettes. Un petit mini-golf. Un flipper de niveau 3. Juste là, voilà, comme ça c'est parfait. Un peu de piano pour ceux qui veulent jouer. Un réfrigérateur. Alors c'est essentiel le réfrigérateur. Dans toute société, il devrait y avoir un réfrigérateur. Tout simplement pour que les salariés puissent y mettre leur repas du midi, tout bêtement. Voilà. Puis surtout, des fauteuils. Parce qu'il faut bien se reposer un peu. Évidemment. Pas de repos dans le froid. Voilà. Et puis même là, eh ben il leur faut du confort, parce que sinon ils râlent. J'ai oublié, mais il en faut aussi dans les toilettes. Ah non, parce que les. Ouais, mais je crois que les lavabos ils bonifient quand même. Donc bon, c'est un peu superflu. J'ai posé un radiateur quelque part où il fallait pas, j'ai l'impression. Bon, tant pis. Je vais peut-être remettre quelques Spoutniks par contre. Vas-y, j'en mets 5. Ça. Voilà. Ça, ce sont les robots nettoyeurs. Hein. Pour nettoyer quand un dev laisse tomber son gobelet de café ou ce genre de choses. Eh ouais, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Du coup, est-ce que. Alors, est-ce qu'on peut encore embaucher du monde? Non. Ah. De toute façon, Doom 2, Doom. On va laisser encore s'écouler. Top. On va le sortir maintenant. Parce que là, dans une semaine, il y a le ward. Donc voilà, donc je l'ai peaufiné au maximum jusqu'à la dernière semaine. Putain, j'ai pas fait ma salle de création. Tant pis, tant pis, tant pis. Ce sera un jeu qu'on va encore mettre chez Tétu. C'est pas très grave. C'est pas encore. Ah, bordel, il manquait pas grand chose pour la production. Mais bon. C'est pas très grave. Purée, y a plus personne. Ah, bordel, je suis en crise de l'emploi, c'est ça? Pénurie de main-d'œuvre. Le jour où ça arrivera en France. Ah, c'est Doomlake Arcade qui est au-dessus de. Putain, Doomlake, pourtant, on a mis du budget dedans. Mais ok, Doomlake Arcade, le. En même temps, c'est vrai que. Putain, 12 millions. Et ça continue à se vendre. C'est. Ah, et voilà, on a. Voilà, ça c'est l'arcade. C'est une branche qui va nous rapporter pas mal de pognon, hein, mine de rien.
Tant qu'on produit pas nos jeux, tant qu'on. Voilà. Hein, c'est. Et du coup, bah, on va pouvoir. Bah, les gars, faites vos contrats. Pour le moment, je vous mets au. Voilà. Pour le moment, les mecs, je les mets un petit peu au chômage technique. Je vais les laisser en écoute de contrat. Et puis on va commencer à chercher pour les moteurs, tout ça. Le rôle JDR, ouais. Putain, mais 16 millions de likes, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans les divers? Le service client. Alors, pas de recherche automatique, parce que sinon ça va me bouffer. Mais on va faire le service client. Et il me faut des salariés. Il me faut des salariés. Alors, attendez, vous foutez rien. Alors, vous, il y a des cons, il y a des. Il y a un rapport à faire. Vous allez vous mettre sur les contrats. Et ici, il va falloir des salariés pour faire les contrats aussi. Non, ça c'est bon. On va laisser faire. Putain, déjà 7 mois se sont écoulés là. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va très très vite. Du coup. Ah, ça a changé. Il me faut les trains. Attends, déjà on va développer la stratégie. Mais il me faut les trains et on va pouvoir repartir sur un autre. Clavier américain, évidemment. Ok. Alors là, on va réfléchir. Course train. Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Un jeu de course en voiture, c'est un petit peu idiot. Fonctionnalité de jeu. Vas-y, on va déjà rechercher les B+, même si c'est pas très. Même si je suis déjà en avance sur mon temps, du coup. Mais dès qu'au moins ça sortira, au moins on les aura quoi. Et je pense que je vais commencer à développer des thèmes. Il y en a pour beaucoup de pognon. Mais vas-y.
Allez, c'est parti. On va développer, nous, un jeu de notre côté. Alors, on va faire un nouveau jeu. Contre voiture, j'en sais rien, on va faire non, alors ça on s'en fiche. Oui, alors il nous faut donc un jeu de course. Le thème secondaire, on va prendre un thème aventure. Donc le truc à éviter absolument, c'est cowboy. Donc on a dit train et voiture. Ok. Alors, sur les kits de dev, pour le moment, on est toujours en jeu A. Alors, j'achète tous les kits. Hein, parce que je regarde pas au détail. Je regarde plus au détail qu'est-ce qui est le mieux ou pas. Il existe des moteurs déjà. Faudrait peut-être qu'on en développe un. On va peut-être en développer un prochainement. Ok, on met tout. J'ai dit on met tout. Cent mille. Allez, 100 000 le jeu vidéo à développer. Hop. Et ben voilà. Du coup, attendez. Là, j'ai 6 salariés, il m'en faut 6. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Alors, il nous manque quoi? Au bout d'un moment, il y aura la salle de capture mouvement à faire. Donc, elle viendra là. Du coup, on va se mettre... La prod, on va la mettre par là. Oui, bah la prod, de toute façon, on va la mettre dans la prolongement, voilà. Mais on va faire des salles de production. Il nous faut déjà l'entrepôt de stockage. Ça, c'est ce qui va nous prendre quasiment le plus de place. Donc, vaut mieux qu'on la fasse tout de suite. Je prévois large, hein. Honnêtement, je prévois large. Ah putain, je peux pas parce qu'il y a un... Il y a l'entrée qui est là. Ok. Du coup, il faut que ce soit du 10. Qu'il faut 24. Allez, ça me convient. Ici, pas besoin d'entrepôt, pas besoin de... Besoin de rien, de que dalle. Faut juste du stockage.
Donc vous allez voir que les stratégies sont quand même beaucoup bien différentes de Mad Game Tycoon premier du nom. Vous allez voir que c'est un poil différent quoi. Parce qu'en fait, on va pas faire une salle de production. Enfin, on va faire, on va pas faire une salle de production. On va en faire beaucoup. On va faire beaucoup de salles de production. Il semble que c'est ça. J'en faire une déjà pour être sûr. D'accord, c'est du 5x5 déjà, donc donc là, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc il y a la. La porte qui fait chier. Et 5. Ok. Du coup, ça c'est suffisant. Cinq machines par pièce, c'est suffisant. Du coup, elle fait 45 mètres carrés. Voilà, c'est ce genre de salle de production qu'on va faire. Celle-là, on va la réserver justement à faire les ordres de production. Elle rapportera de l'argent quasiment en permanence. Et on va en faire d'autres. Donc du 5x9. C'est pas compliqué, ça va être comme ça, voilà. Et on va en faire plusieurs comme ça. On va pas en faire des 100 et des 1000, hein, mais on va en faire quelques-unes. Voilà, ok. Parce que d'un côté, on va avoir donc les jeux qu'on produit nous-mêmes. Et de l'autre côté, on va avoir tous les jeux que l'on va éditer. Si on édite des jeux, ça a été revu le système d'édition, il est moins pourri qu'avant. Donc ça reste un petit peu la roulette russe, hein, quand on accepte de publier un jeu que c'est pas nous qui l'avons développé. Mais voilà. Est-ce qu'on en fait d'autres? Allez, on va en faire quelques-unes en plus. Ça va encore, c'est pas. C'est du 5x9, hein. Merde. Ouais, c'est ça, 5x9. Écoutez, pour le moment, 3 salles de production, ça devrait le faire. Le reste, après, c'est ça.
Parce que là actuellement c'est 1,5 million. Je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres. Comme ça, pour le moment, j'ai un stockage d'1 million. Ok. 1 150 000. Donc déjà de quoi tenir Train versus Cars. Donc ça, ok. Et justement, alors, est-ce que c'est ces trucs-là? Puis en plus, il va y avoir nos rééditions à terme qu'on va pouvoir aussi remettre en production. Non, c'est là. Ben zut, ces contrats-là, là, les... C'est quoi ça? Crise bancaire, on s'en fiche. Zut, pour... Zut, je sais plus où on va pour... Déjà le marché de l'emploi, ouais mais non, faut que... Est-ce qu'on fait un deuxième bureau, studio de développement? Ça peut être pratique, un petit... ne serait-ce que 5 personnes. Ce serait pour faire les contrats. En vrai, je vais faire des petits bureaux pour les contrats. Parce que voilà, c'est des petits trucs et ça coûterait pas bien cher et il faut les faire. Du coup, développement, on va faire un petit bureau de dev. Vraiment le strict minimum. Voilà, juste le petit bureau de dev. Le mec, il est tout seul, il est au placard. C'est un enfer, mais c'est pas grave. Le mec, il a envie de se pendre, mais il fait les contrats. En vrai, c'est horrible. En vrai, c'est horrible, mais bon. Capitalisme. Le Torah en distraction, c'est une horloge. Et tu fais pas chier. Et c'est tout. Et lui, son rôle, c'est les contrats. Et on va embaucher un mec pour ça. Tiens, toi, tu feras très bien l'affaire. Allez, hop. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec l'assurance qualité. Donc un petit bureau d'assurance qualité. Alors lui il est privilégié, il a une fenêtre, hein, attention. En même temps, c'est service qualité. Là, ça va être la partie la plus horrible du jeu, en vrai. Ça va être de faire les petits studios qui vont faire le... Qui vont faire le minimum syndical. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. On va leur mettre une petite lampe quand même. Une petite plante, quelque chose. Ouais, voilà, on leur met une petite plante. Voilà, comme ça ils se sentent un peu plus à l'aise quand même. Puis voilà.
Donc pareil, on va embaucher un mec pour ça. Toi, très bien. Ok. Ensuite, on va avoir un petit studio de graphiste. Donc ça, pareil, hein, c'est du 3x3. Allez, le petit chauffage, la petite horloge, et parce qu'on t'aime bien, la petite plante verte. Voilà. Et donc, on va embaucher un mec pour ça. Alors, le problème, c'est que là, j'ai des salariés. Oh. Vas-y, tu généreras pas de bug, toi. Et pour finir, on va faire le petit service. Voilà, le studio de son. Alors là, il me faut. Je pense qu'il me faut au moins ça. T'es minimum de 4x4. Ok. Du coup, on va mettre sa porte sur le côté là. Je pense que ça c'est suffisant. Et où la petite horloge? Ah bah pas de bol mec, t'auras même pas le droit à une horloge. Allez, t'auras le droit à un tapis. Regarde, le grand seigneur, t'auras le droit à un tapis. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Allez, toi. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop. Sur les contrats. Voilà, comme ça on a quatre petits bureaux où il y a les contrats qui se font. Ah oui, on n'a même pas développé le jeu. Allez, hop, c'est parti. Ah mais oui, on n'a même pas développé le jeu cette année quoi. C'est terrible. Ah oui, mais non, oui, c'est au 11e mois. C'est je crois que c'est la première semaine de décembre le truc. Faut que je retienne les dates. Là, j'ai un jeu en développement, donc je peux le laisser. Ouais. On a combien là? Je vais attendre d'atteindre les 300 graphistes. Allez, c'est bon. Hop. C'est parti. On termine le développement, on publie. Et on autodistribue. Notre premier jeu en autodistribution. Et je peux pas encore faire le démat. Alors par contre, attention. Hein. On va mettre. Alors, on va mettre l'outil jeu de cartes. Je laisse le jeu définir le prix automatiquement, pour le coup. Quoi, c'est train et machin? Vas-y, une petite carte du jeu, là.
Vas-y, allez, let's go. Il sort la semaine prochaine, mais il va falloir que j'appuie très vite sur pause. Pas ouf. Non! C'est la merde. Voilà, bon. C'est bon, c'est parti. Doom Like 2 terminé. Déjà? Alors que l'arcade, elle est encore vendue. Vas-y, on va faire une suite à ça. On a le temps. De toute façon, voilà, on a Train versus Cars qui est en train d'être vendu. Et puis on va faire une suite. Non, on n'a pas de moteur. On va faire un moteur. Du coup, on va faire un moteur pour arcade. Non, pour adresse. Rien à foutre hein, sur le prix, tout ça. On a rien à péter. En vrai, ouais, on s'en fiche. Hop. Alors, ouais, ça va tellement vite que j'ai un petit peu de mal. Hop. Voilà. Là, de toute façon, dans 2 mois, j'ai le. J'ai la hype qui va arriver dessus. Ah, par contre, il faut que Train Cars ça tienne jusqu'à pendant 2 mois là. Parce que ça m'a rien apporté là. Oh putain, la hype qui s'est écrasée. Et oh. Et allez. Train Cars. Doom Like 3. Et l'arcade. Allez là, faut que ça reparte là. C'est pas possible autrement là. C'est quoi ce suicide quoi? Il m'a même pas rapporté 1 million là, Train versus Cars, alors que. Vas-y, il y a des fonctionnalités de jeu à débloquer là. Ouais, c'est bon, c'est reparti, c'est reparti. C'est juste la hype qui a eu un coup dans l'aile. Ouh!
Je laisse faire le jeu pour le moment, je laisse faire je laisse polir un petit peu, je voilà, je suis pas pressé. Ah bah quand même. Bon. Non, tant pis, hein. Je vais continuer à développer des thèmes. Bon, là, ça bosse. Le mec, il est parti où, là? Mec, il y a du boulot. Quand même. J'ai plus de... Bon, on va sortir du Black 3. Vas-y, on va virer la carte du monde. Il sort dans 2 semaines. Ok. Et là, on va reproduire on va refaire un jeu d'arcade. Du coup. Adresse et action. Donc c'est le thème de l'âge de glace. Et de la chasse, on va dire. Allez, hop. Je sais pas, j'ai des noms qui me viennent. M'en tape pas. On va voir s'il n'y a pas un autre kit de dev qui est sorti. Ok, d'accord, mais ça c'est pas pour de la console. Donc y a rien pour. Ok. À sortir le truc pour le pour l'adresse. Tac, tac, tac. Vas-y, ça on va quand même un petit peu améliorer peut-être. Oh, vas-y, on s'en fout. Allez, hop. Je vais peut-être devoir faire un autre studio de dev où entre guillemets je vais pouvoir mettre les jeux en attente. Enfin, au moins un jeu en attente. Ouais, sachant que là, ça c'est un jeu d'arcade. Hein. Allez, c'est parti. Tant qu'il y a des bugs, je n'arrête pas.
Ok. J'étais en train de versus Cars, c'est fini. On va voir si on peut pas sortir un. Ouais, on peut ressortir des jeux en classique. Du coup, on va partir sur ce principe. On va faire ça. Hop. On va ressortir nos vieux jeux en classique. Comme ça va nous permettre de vendre un petit peu, enfin d'avoir un peu de vente. Hop. Je vais refaire une salle de prod. Merde. Pas mal ça. C'est bien calculé ça. Attends, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins j'ai de la hype sur Miricom. Et ça, c'est cool. Du coup, je vais peut-être attendre avant de faire les suivantes. L'anticopie a été débloquée. Bon, pour le moment, on avance bien. Du coup, vas-y, on va le sortir maintenant. Du coup, autodistribution, forcément. On le vend au prix fort. %98, c'est pas trop mal. Allez, les gars, au boulot. En vrai, mes bureaux là, ils sont trop petits. Parce que les mecs, quand ils sont en pause, le contrat avance plus. Et là, le mec va échouer un contrat, putain. Faudrait que j'en mette deux. Faudrait que j'augmente pour qu'il y ait toujours deux personnes. Parce que sinon. Doomlike 3 Ice Hunter. Jeu de l'année Ice Hunter. Bon. Du coup, ok. Du coup, il va falloir que je surveille le temps de jeu. Et surtout, il va falloir que je développe un nouveau jeu. Parce que là. Faut que je mette un nouveau jeu en développement. Le truc, c'est que ça c'est dans 20 semaines. Est-ce que je ferais pas une suite à mon tout premier jeu?
Il y avait dans les F Far West. Il est où? Far West. Ok. Non, sauf que. Ah, va falloir d'abord que je développe le jeu de. Le moteur de course. C'est pas un nouveau jeu, c'est une suite. Ah. Mais il me dit pas si je dois baisser ou pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc le jeu en très rapide, hein, vous voyez, j'ai pas le temps de réagir en fait, j'ai pas le temps de. Ah d'accord, ok. Donc quand ils échouent leur contrat en plus, c'est mort quoi. Du coup, ça par contre, je vais en profiter rapidement. J'augmente la taille. On va faire des salles de studio un peu plus sérieux. Enfin des salles de contrat un peu plus sérieux. On va les mettre 5 à chaque fois à 5. Est-ce que j'ai quand même la place pour placer un tapis? Allez, voilà. Alors, attendez. Normalement, dans les options de jeu, j'ai le truc pour pouvoir, quand j'embauche des salariés, pouvoir les mettre, d'office, quelque part. Faut que je trouve l'option. Zut, il va falloir que je bouge l'autre.
on y arrive, hein. Allez, je vois pourquoi je les ai mis là alors que bon voilà, mais hop.